On va passer à la remise des prix, au résultat du Startup Contest. Alors, on va peut-être demander au jury aussi. On va demander au jury de nous rejoindre sur scène. Ouais. Et on va commencer déjà par dévoiler le prix du public, votre prix à vous. Et ensuite, du coup, on enchaînera sur le prix du jury que Morgane, du coup, expliquera. On va rester. Vous voulez vous installer ? Vous restez longtemps ? Non, on va se mettre, bon, on va se mettre là. Estelle, es-tu prête ? Donc là, on parle du vote du public. Tu vas nous afficher le graphique. C'est la première fois que ça arrive. Ah, Estelle. Vous pouvez applaudir, vous avez vu. Deux ex-échos. Alors, Estelle, viens. Donc, premier ex-écho, c'est Styrie et Stag, avec 28,7%. Alors, on fait comment, là ? Alors, sur combien de votants ? Alors, sur un temps de vote très court, parce qu'on n'a pas eu 3 minutes, vous avez été 171 à voter dans la salle, donc belle participation. Effectivement, c'est la première fois que ça nous arrive d'avoir des ex-échos sur un prix du public, c'est quelque chose qu'on fait régulièrement. Donc, vous voyez, sur l'affichage, on a une ligne verte, donc on va bientôt développer le fait qu'on en mette deux pour prévoir les ex-échos. Grâce à vous aujourd'hui, merci, on a un nouveau développement pour le produit à prévoir. Donc c'est vrai, moi perso, je n'ai jamais vu ça non plus sur autant de monde. Il faudrait voir l'algorithme au niveau de l'arrondi, ce que ça donne. Mais en tout cas, voilà, il y a deux prix à décerner, ce n'était pas prévu. Donc déjà, on peut dire à Styrie et à Stag, de monter avec nous ici sur la scène et les applaudir bien fort. Bravo. Je vais demander aussi à l'agence L'Amour du Web de venir. L'Amour du Web, il n'est pas là ? Ah, il arrive. Il se cache. Alors, en fait, parce que donc c'est le prix, effectivement, c'est le prix du public. L'Amour du Web, mais n'avait qu'une seule. C'était pour un seul gagnant. Donc du coup, moi, ce que j'ai proposé, étant donné que j'ai plusieurs casquettes, dont une qui fait de la prestation de service, je propose que L'Amour du Web, du coup, s'occupe de Styrie. D'accord ? Et que Evernet, Linkaz, Apps, West Web Valley s'occupent de Stag. Bravo, d'accord, on peut l'applaudir. Okay. On peut l'applaudir. C'est la seule solution que j'ai trouvée. Voilà, donc pour le prix, le prix du public, merci à vous d'avoir voté. On enchaîne, Morgane, sur le prix du jury. Alors déjà, de la part de tout le jury, bravo à tous, parce qu'on a vraiment été séduits par l'ensemble des 5 candidats. Il a fallu en choisir un. Ça n'a pas été simple, mais on a jugé sur plusieurs critères et globalement, on a choisi celui qui nous semblait le plus sexy. Voilà. Et donc, je suis heureuse d'annoncer à Facette qu'il a gagné. Bravo. Le plus sexy, ouais, ça vous fait rire. Oui, dès qu'il aura fini de serrer toutes les mains, hein, c'est la campagne électorale. Vous venez nous dire un petit mot ? Valère, est-ce que vous pouvez venir nous dire un petit mot quand même ? Vous avez gagné. Alors voilà. Oui. C'est mon deuxième ligne. Oui, très bien. Troisième, ouais, deux, ouais. Quand tu étais mince. Moi aussi, hein, j'ai... Allez, on parle bien dans le micro. Merci beaucoup. On est vraiment très content d'avoir remporté ce prix. Je voulais juste peut-être ajouter quelque chose. Tout à l'heure, on nous a dit, vous êtes dans notre réseau social. Je veux dire que Facette, c'est un messenger. Donc voilà, je voulais juste profiter de re-avoir le micro une fois. Et bien sûr, maintenant, les messengers ont des fonctions sociales. Mais on n'est pas un autre réseau social. Et merci à tous ceux qui se sont inscrits. Donc, alors, vous allez recevoir un petit questionnaire parce qu'il faut qu'on vous intègre au bon moment de la bêta. Donc, s'il vous plaît, remplissez-le. Et à bientôt sur Facettes. Merci, bravo. Puis on va donner la parole aussi aux deux ex-échos. Je ne connais pas vos noms de famille. Monsieur Styrie. Monsieur Styrie. Monsieur Benjamin. Styrie. Benjamin. Merci à tous. Ravi d'avoir pu séduire le public avec une application qui est quand même pour entrepreneurs sur un domaine malheureusement qui n'est pas super sexy, la gestion, la comptabilité. Ce n'est pas quelque chose qui généralement attire l'œil. Donc ravi d'avoir pu vous présenter et vous séduire avec ça.
À bientôt pour de super nouvelles et une super com du coup grâce à des bons conseils. Yes. Merci, bravo, et on va donner la parole au représentant de Stag. Bah, merci beaucoup. Donc Stag, ça veut dire quand même l'accroche, le lien. Donc en effet, plus on développe par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, plus on développe le réseau, le lien social des Bretons en général, des individus et des Bretons en général, en fait on renforce la Bretagne, c'est vraiment notre souhait. Donc merci Brasse d'Or, merci. Merci bien. Voilà, Web in Lorient 2015, c'est terminé. Merci à tous, j'espère que vous avez appris plein de choses tout au long de cette journée. Je vais laisser la parole à M. Anthony, le directeur de la Technopole, qui va nous faire un petit mot d'adieu. Merci à tous, j'espère que ça vous a plu. J'avais essayé de vous promettre une belle journée enrichissante ce matin. J'espère que ça a été le cas et qu'on va vous revoir l'année prochaine. Si vous avez des idées, si vous avez trouvé qu'il y avait des choses qui étaient bien, d'autres moins bien, dites-le nous, faites-le nous savoir et on fera en sorte de toujours s'améliorer pour l'édition 2016 et les suivantes. Merci d'être venu encore une fois et à très bientôt.